Bonjour les petits loups, regardez, j'ai changé mon aquarium. Ça, c'est juste un aquarium pour dépanner. Parce que j'ai vidé mon aquarium, je l'ai lavé nickel, j'ai enlevé tout le sable, j'ai tout enlevé. Et on m'a prêté cet aquarium vide. Et là, j'ai remis l'eau, j'ai remis la déco qu'il y avait, j'ai remis la déco qu'il y avait. Et voilà. En attendant que je nettoie mon aquarium à moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer mon aquarium. Voilà, mon aquarium, il est avec ce meuble-là. Déjà, j'ai acheté ça pour mettre par-dessus. Et là, je ne vous ai pas montré. Et là, c'était tout blanc. Et on a acheté des trucs spéciaux pour mettre ici, pour faire plus joli, quoi. Voilà, on voulait changer pour faire plus joli, comme ça. Bon, ça, on va le laisser blanc comme ça. Donc, voilà. Vous voyez, là, je l'ai nettoyé. Quand je dis nickel, c'est nickel. Même les coins ici, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait. Comme neuf, comme neuf, comme neuf. Donc ça, après, bon, on va remettre tous nos poissons et tout. Voilà, j'ai fait une semaine que j'ai enveloppé. Bon, je vous ai pas montré comment j'ai fait. Hein. Attends, j'essaye de mettre ma lumière là. Ouais, voilà, c'est mieux quand même. Voilà, j'ai mis enveloppé comme ça. Bon, ça s'est éteint. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ça reste 2 minutes allumé. Et... Donc voilà, il n'y a pas mieux que ma vraie lumière, je vous le dis. Hein. Bon, je vais me prendre un cône à quoi? Bon, tous les fruits, je pense. Ouais. Bon, les petits loups, là, je viens de rentrer des courses. Bon, les petits loups, je viens des courses. Hein, j'ai vidé, hein, comme vous voyez. J'en ai là, je vais ranger ça vite fait parce que c'est du congelé. Ici, voilà. Là aussi. Bon, les petits loups, j'ai mis à tremper des haricots blancs. On va les laisser comme ça gonfler toute une nuit. Voilà. Donc, les petits loups, voilà, vu que il me reste, vous avez des pommes. Pas faire de gâchis, comme j'ai le thermomix, je vais faire la comment on appelle ça, la compote des pommes. Bon, je vais tous éplucher, je vais mettre ça vite fait dans le robot et on va faire de la. Et là, le facteur il vient de sonner, m'a ramené un aspirateur. On m'a offert un aspirateur. Ben, je vais vous le montrer. Bon, je suis pas payée, hein. Juste on m'offre l'aspirateur et je vous le montre. Donc, ce que je vais dire sur l'aspirateur, c'est que du vrai. Voilà. Donc, voilà, je termine ça, je fais ma compote et je vous montre cet aspirateur. Vite fait, bien fait. On va le découvrir ensemble, de toute façon, parce que le facteur, il vient de sonner. On va l'ouvrir ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc, je termine ça. Donc, voilà, là, je vais vous l'ouvrir. C'est la marque, je l'ai reçue de la marque Ulténic. Bon allez, on ouvre ça et on vous montre. Hein. Allez, j'ouvre. Donc il se compose comme ça. Déjà, ils avaient un grand truc comme ça dans le carton là. Vous n'avez pas le monter. Voilà. Ensuite, vous avez ça. Ça, c'est la batterie. Vous avez une grande batterie par contre. La batterie, elle se pose là. Il est beau, hein? Il est bleu en tout cas. Il est pas mal. Voilà, là j'ai mis à charger la batterie. Il faut toujours charger l'aspirateur, quoi. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans mon sac. J'ai trouvé ça, on dirait un pistolet. Ça, je pense qu'il se met ici, si je ne me trompe pas. Non, attendez. Ouais, il se met bien ici. Ah, bon, j'ai compris. Ça, c'est le pied de l'aspirateur. Ça, c'est la batterie. Ça, l'aspirateur, on le pose comme ça. En tout cas, il est très joli. Voilà, on a deux sacs de rechange d'aspirateur, deux sacs d'aspirateur. On a ça. Ça, c'est le filtre. Nous avons le filtre. Après, là, nous avons la notice de l'aspirateur. On a ça, le petit balai, vous savez, la petite poussière et compagnie, là. Et la petite brosse aussi. Voilà, ce qu'on a. En gros, voilà, là, j'ai pris la notice. Tout est marqué, hein, dans la notice. Il y avait un bac à poussière, un bouton de libération de couvercle du bac à poussière, une batterie, une poignée, ouais, tout ça. Et là.
Un sac à poussière, on en a trois. Ah oui, deux qui sont là et un qui est déjà dans l'aspirateur. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va voir s'il aspire bien, par contre. Voilà, on a ça avec les brosses et tout. Ça, c'est pour nettoyer. Une laine de fibre pour dépoussiérer. Ah, ça, c'est la laine de fibre pour dépoussiérer. Une brosse à fente. Ça, c'est pour faire les fauteuils, les voitures et compagnie, quoi. Et brosse à couteau de nettoyage. Voilà, c'est tout, hein, une brosse. Maintenant, il est simple, hein, franchement, il est simple. Hein. Bon, je lis ça et je reviens vers vous. Ah, il a une télécommande aussi. Une télécommande. Donc voilà, là, c'est là qu'on met le sac. Bon, il était déjà dedans. Hein. Ça veut dire que vous, on aspire. Ensuite, on a juste à poser le aspirateur et la saleté à rentre à l'intérieur, quoi, en gros. C'est pas à peine de le vider. Ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas à le vider. On aura juste à vider le sac. C'est tout. En tout cas, il est très simple. Hein. Je l'ai essayé. Il est très, très simple. Regardez. En tout cas, voilà, quand vous allez aspirer, vous faites comme ça. Après, il va continuer à charger. Il va se dépoussiérer. Il va dépoussiérer. La poussière va rentrer dedans, en gros. Et je vais vous montrer, c'est mieux. Il a quatre vitesses. Voilà, c'est là, c'est simple en fin de compte. Franchement, il est solide, hein. Il est léger, mais il est solide. Pour appuyer, vous appuyez ici. Hop. Il a quatre vitesses et vous aspirez. Les vitesses, on les change ici, hein. Franchement, Ah, il y a de la lumière. Moi, je vais faire le jardin. C'est simple. On va aspirer pour la maison. Il n'y a plus de... Voilà, là, j'aspire pour la maison. Mais vu que vous avez déjà aspiré, comme là. Non, pour aspirer, ça aspire. Hein. Franchement, ça aspire bien. La ligne de la lumière. Ça a aspiré, par contre, faut que je nettoie parce que j'ai tout sali. Hein. J'ai tout sali avec mon. Voilà, ça va ici. Et comme il est pas mal, je crois que ça va durer très très. Ça va durer longtemps quand même. De toute façon, après, vous en avez trois de rechange. Alors, voilà, vous voyez, il n'a pas... Pourtant, j'ai viré. Hein. Il est pas rempli. Hein. Ouais, voilà. Voilà donc. Donc, voilà. Là, j'ai tout remis en place. Maintenant, il me suffit que je le nettoie. C'est de ma faute. Quelle idée d'aller aspirer pour vous montrer que ça aspire. Regardez, je dois tout nettoyer maintenant. Tout nettoyer. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, il y a un code promo. Je vous mets le lien, le code promo. Je vous mets tout, comme ça, voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Et c'est l'aspirateur Ultenic. Donc, les petits loups, je fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.